d'entrer dans le Parlement, alors que, à l'origine, et même par définition, le Parlement, c'est plutôt un espace de débat. Surtout le Sénat, c'est le corps des sages. Le corps des sages, dit-on. Donc, bon, nous dit-on pour la forme, mais nous connaissons en fait, c'est à ça que ça nous voyons. Où qu'on est, et Wendell, moi je pensais que chaque contexte, il y a un discours et une forme pour faire le passé. Je crois que longtemps, je me suis prononcé sous Zaksao parce que je suis un démocrate. C'est antidémocratique, je ne l'aurais jamais accepté. Et d'autant plus que moi-même, sénateur, qui demande la population, je suis d'accord pour nous parler dans nous. Tout le monde ne connaît que nous avons un tempérament. Donc, il faut que je sois libre pour me faire ça. Et nous qui doit vous juger, c'est la population nord-ouest. Donc, à partir de ce moment, il est clair que nous avons condamné Zaksao. Mais cependant, je pense que je dis à un moment que nous là, je crois que les collègues ont évalué ce qui s'est passé pendant ces deux mois. Quel est le résultat? Le président est encore en fonction. L'école va jamais ouvert. Nous n'avons pas contrôler combien de monde qui mourent, parmi lesquels des policiers que nous avons toujours déplorés. Et en pile, nous avons gardé FICA pour accoucher à même le sol. Donc ce sont des situations inhumaines. Donc je pense que je dis, et je ne parle pas de mon discours de rigueur, parce que moi-même, personnellement, je n'accuse pas seulement mes parlementaires de l'opposition. Nous sommes des gens qui ne peuvent pas parler. Même collègues, et pouvoir pas mieux, j'ai des problèmes ensemble avec eux. Tout. Dans le sens que je pense que être parlementaire, c'est être plus dur. C'est-à-dire qu'au plus rigoureux, il y a des fois. Surtout que les gens qui posent nos questions, qui critiquent nous, parce qu'on dit que le président. On ne va pas critiquer, on ne va pas critiquer pour ça, parce que nous défendons le département bien. Et moi-même, le bon fond critique, me fait. Il n'y a pas critiquer Kedler Augustin en tant que sénateur de la République, qui n'est pas capable, qui n'a pas gagné le pouvoir de résolution d'un conflit au niveau même du Parlement. Il y a des critiques à jouer des sénateurs dits de la majorité présidentielle. Comment vous expliquez que le fait, malgré que le président ait un certain nombre de sénateurs, Yodi qui t'a en fait paré pour supporter politique, alors que le premier ministre, plusieurs premiers ministres, pas même ratifié, la majorité ne peut même pas agir pour permettre au président de profiter de situation. Moi, j'ai deux cas là. Moi, j'ai un cas côté que j'ai toujours critiqué les mapes pour prendre là. Je crois que le président n'a pas en contact assez pour digérer la majorité. Cette majorité dont on parle, il faut qu'on la diagnostique pour nous dire c'est véritablement une majorité. Même quoi que l'on l'ait et qu'on majorité, nous avons senti que c'est une majorité. Mais depuis quelques temps, cette majorité présidentielle, nous ne connaissons pas, d'autant plus que l'équipe de la TVN, un groupe GPRD, un groupe G7 et puis quelques autres parlementaires alliés. Il me pense que gestion majorité en matière politique, c'est le président qui doit le faire. Maintenant. Non, mais excusez-moi, sénateur, je vais appeler au père du filidio. Gestion majorité, ça, c'est le président qui doit le faire. Mais il dit qu'en pile. Non, émaillé par un ensemble de conflits, un ensemble de petits bagailles en bas qui ne doit pas passer. Par exemple. La lutte au niveau régional entre les différents parlementaires. Regardez par exemple, quand par exemple, où est Lambert, quand Lambert parle dans G7, il faut qu'au niveau de l'exécutif. Non, mais il y a des parlementaires aussi, dit-on, qui passent à l'opposition carrément, qui passent plus dans l'opposition, parce que des grands postes, des grands ministres. Qui parle encore, que vous retirez, vous révélez pour changer l'obéi. Et nous pensons que c'est le lot de critiques que nous, tous ensemble, nous avons dans le Parlement, pas les deux même seulement. Nous pensons que ça fait partie pratique que la population a besoin de changer. Et c'est malheureux, effectivement. Moi-même, dans mon cas personnel, c'est un exemple que nous avons, membre PHTK, sénateur PHTK, fait campagne avec le président, a supporté le président, nous défend le département quand même. Nous devons dire, moi, telle faiblesse, nous devons dire, ça va légal. Ça, c'est position PAM, même si on dit, je mettez ministre, même si on délégué, même si on retiré, ça va garder. Mais il y a l'autre sénateur, je dis, je vais retourner sur l'ancien bagage qui était passé, même parce que pratique, ça, il faut que changer, et que, en rapport à un gouvernement, il est capable de lier. À un avantage personnel ou capable de gagner, rien que pour votre réélection, en pile fois. Donc, moi, je crois que son pratique, nous devons retirer. Et de notre côté également, la question de la gestion du Sénat également peut être remise en cause. Moi-même, tout à chaque instant, quand je regarde, j'avais dit ça un jour, et lors de la séance, qui était la dernière séance qui crasait, je me suis lambé avec Yuri Paret, et puis il m'a dit, bon, ça, lambé, Yuri a fait maintenant quand on était là. Bon,
Parce que l'ambé, c'est nous qui toujours supporté. Il était fait campagne avec Jovenel Moïse. Et puis il me dit quelque part, il y a un bagage qui n'a pas marché. Et puis il me dit, monsieur, je suis un médiateur, qui est possible même pour nous parler, monsieur? Et qui s'est dit? Eh bien, mon cher, il y a des critiques qui font, normalement, que le sénateur estime que vous manquez tant de vous. Oui, véritablement. Capable de l'autre intérêt, tout qui parle avec même. Là, mon petit j'entre réservé parce que si par exemple, nous sommes les candidats à la présidence, nous pas senti président, nous voulons supporter, nous voulons faire route parle. En tant que sénateur, je n'ai pas le droit de lui dire non. D'ailleurs, il y a un droit pour le candidat pour sénateur. Ce qui est mauvais, et même s'il a une opposition, tout, s'il est si loin, c'est là pour le passer, tout, ça va pas supposer déranger. Ce qui est mauvais, c'est lorsque par exemple, dans les pratiques que l'on fait, c'est des pratiques antidémocratiques qui ont avili les pays sur le plan international et qui ont empêché l'État de fonctionner, je dis. Je dis, ça fait pas combien de mois depuis que nous n'avons pas un gouvernement. Il n'est pas normal que nous n'avons pas un gouvernement. D'un côté, nous voyons que M. Opposition dit pas un gouvernement, c'est qu'il ne peut pas diriger, mais en même temps également, il faut lui donner la possibilité de diriger. Parce que pas une autre façon pour un gouvernement passer que aller dans le Parlement pour ratifier. Si vous avez plus de monde, et puis d'ailleurs, c'est des bagailles que, à côté de tranchant comme tranchant par rapport au gouvernement, il faut que moi dise tout. Il n'est pas possible que vous ayez menti sous démocratie comme ça. Depuis l'autre année d'élection, depuis que vous êtes sénateur et député qui est élu, tout le monde est capable de voir qui configuration gouvernement pour aller. Ce n'est pas moi-même qui dis. C'est l'anticonstitution qui dit. Autrement dit, non bataille côté un gouvernement pour un bagage dans le Parlement pour voter ou pas, ou qu'à regarder qui a plus de monde pour essayer de passer s'il ne peut pas passer. Ou qu'à venir exceptionnellement un parlementaire qui n'a majorité, qui dit bon, même si tout le monde a voté ça, bon, moi-même, je ne vais pas faire. Parce que j'estime que le capable d'entrer avec le parti politique là, ou bien l'une politique pas moi, et que le parler avec conviction. En exception, c'est possible. Ou capable de jouer tout. Un parlementaire dans l'opposition, malgré toute opposition, l'opposition, il prend l'autre différent qui vient en faveur du pouvoir, et puis il grandit, il dit, bon, quelque part, même si nous sommes en opposition, mais ça, bon. C'est ça que nous manquons, c'est ça, nous pas gagné, qui fait que je dis, l'âme de la violence devient la seule façon pour nous imposer volonté dans le régime démocratique. Sénateur Kédé Augustin, en fait, témoigne hommage en publiquement pour position toujours exprimée, là, et sous plateau ça. Dernier sort où vous exprimez, pendant que vous pays l'autre point ça, ou ne pas dire hostile au président de la République, mais vous avez montré que vous avez exprimé désaccord par rapport à des promesses non tenues, par rapport à votre Kafoujoff, qui n'a pas avancé. Et en fait, on était presque, on était bâillé l'impression de révolter. On n'est pas d'accord avec. J'étais frustré. Frustré. Merci pour le terme qui convient mieux. Je veux dire, est-ce que. Je suis toujours frustré. Oui, mais est-ce qu'on réconcilie le président ou bien est-ce que nous entendons pour aujourd'hui ou bien. Moi, pas de jambes bien contre le président, sauf que moi, que je suis un sénateur de la République. Oui, moi, c'est légiféré, contrôlé, représenté zone moyenne. Nous connaissons notre zone nouvelle. Et si nous représentons PHTK. Le par exemple, président, si il veut un budget, il estime que le département femme n'a pas la dame, il va voter. Même si tout le monde vote, il va voter, ça c'est choix. Même si le peuple n'a pas compris, mais montrer à la population que, quel que soit son gouvernement pour le faire, c'est un budget pour l'inscrit. Si le parti inscrit dans le budget, il n'y a pas de problème de détournement de fonds. Donc depuis moi, budget 1 million, 2 millions, 2 millions, 500 000 gouttes, pour pratiquer ça, il n'y a pas de faire. Le président, il doit avoir un premier ministre dans le tout. J'en ai fait, moi deux mondes n'ont pas cohabité. Pas de conflit. Pas de plus d'obéir parce que je suis sénateur de PHTK. Je vais voter. C'est moi seul qui fait. Donc ça veut dire que moi, pas que c'est conflit ça. Au contraire, je veux dire, moi-même tout, je suis capable de dire que le président tout, après 29 voyages sur le Kafou, je vais faire ça. Moi, bien placé, je ne pas capable de mentir. Route là, pas avancer, c'est problème l'argent. Ce n'est pas volonté, président, pas gagner. Et là, moi, ça, moi, dit président. Non seulement ce n'est pas route ça et l'autre qualité bagaille, et moi, population, je dis, président, attention, changez communication. Parce que quelque part, souvent dans une vidéo, je me dis, même si vous avez de bonnes intentions, les professionnels de la politique peuvent vous mettre en échec. En tout cas, vous avez de bonnes intentions, il y a bloqué ou pas de bataille contre 5 secteurs. Et c'est ça, je dis, président. 5 secteurs, vous dites. Oui, je dis 5 secteurs, tout le monde a sur YouTube, il y a pour elle. Je dis d'abord,
opposition qui est plus ou moins normale, parce que c'est pluraliste politique, pluraliste idéologique. Vous gagnez un groupe partenaire international là, président Rangé ça avec les États-Unis, avec question Venezuela, il y a ça. La police, il a amélioré ça pour lui avoir véritablement, c'est ça que fait le cas là. Un gros parti dans le secteur privé, que je dit, qui compte, et puis je dit qu'il y a un problème dans le propre parti PAL, qui c'est PHTK. Je dis à président Kembe, c'est problème ça. Et je dis à où est-ce que c'est passé, et je dit que président, on a 5 bagailles qui capable de mettre ensemble pour développer le pays. Mais moi-même, moi, j'ai 5 secteurs qui capable de mettre ensemble pour vous voyez aller. Je dis 7, opposition, on doit pas gagner plein de monde qui croit dans l'opposition, que ça l'aime, c'est les politiciens traditionnels. Pas grand plein de monde qui croit dans eux. Mais souvent, dans le moment que monde, des membres du secteur privé capables de mettre l'argent pour faire manifestation. Les bagailles, je dis depuis un an et demi. Et c'est eux qui. Mais est-ce que c'est bagaille que nous devons confirmer? Que le secteur privé. À peine nous venons là, nous avons entendu parler, nous avons entendu une opposition, même la CAP dit pas que manifestation qui a fait sans l'argent, vous comprenez, nous avons entendu parler, nous avons entendu des gros journalistes qui ont informé qui disent qu'on a que manifestation, bon, des deux côtés, pas qu'a fait sans l'argent, véritablement. Et je dis, vous sentez un changement d'attitude. Et un changement d'attitude, moi-même, je te dis, vous avez une petite note que je me écrit, je ne pas doubler que c'est blanc qui vient dire non pour nous chita. En nous faire, parce que quelque part, j'avais compris que. Le monde étant un village global, je ne peux pas accepter qu'un monde dit mettre un président ou mettre un monde d'après 10 mondes décidés, puis mettre un monde par. Quel que soit, c'est une transition internationale qui t'a venu quand même, qui t'a pas prendre décision. On te dit, on nous entend nous s'il faut un gouvernement large, côté tout le monde capable, à l'aise, pour permettre que nous capables et résoudre la question de sécurité dans le pays. Donc cela veut dire que pour résoudre le problème, c'est à travers un gouvernement, il y aurait des unions ou bien de sauvetage pour le faire. Depuis l'aime rivé dans le pouvoir. Mais c'est pas ça. Malgré ma défense PHTK. Ce n'est plus le discours de l'opposition. Le discours de l'opposition, c'est résoudre le problème. Non, lui, doit passer par la démission du président Jovenel Moïse. Ça, c'est une position. Là, qui t'aime garder. Bon, ça, peut-être, je respecte l'opposition. Mais moi-même, problème, non, mais ça, moi, non, problème, non, moi-même. Moi, ouais, que la population, depuis 1804, qui a passé misère, soit au Tékembe, pour nous demander, dans la ville, soit qu'il y a, à partir de 86, tout le monde a une politique, qu'on a vu un paquet de leaders politiques qui émergent, il a servi avec le peuple, taille à découvrir, à bah merci. Il y a des gens qui ont un discours de droite qui a fait des actions de gauche, il y a des gens qui ont un discours de gauche qui a fait des actions de droite, et puis, on vient un paquet d'élites politiques qui ont une expérience politique, et puis, nous avons un système électoral qui taille sur mesure pour empêcher tout jeune qui a une capacité, qui intègre, qui a honnêteté, bon, qui facilite seulement mon zaï au bon dans le système électoral là. Et puis, qu'il y a l'arrivée, qu'il y a, population a passé misère, au lieu que vous avez un ensemble d'institutions que la Constitution a prévu pour protéger contre la corruption, contre le service, tant que IGF, Inspection Générale des Finances, pas de contrôle sur ça, et puis on a parlé de problèmes d'argent d'État, alors que vous avez un contrôle tout fait sur ça, ou des comptes, pas de contrôle sur ça, et puis on a parlé de problèmes d'argent, plus le parlementaire qui passe, même le parlementaire qui est en opposition, je veux dire, vous êtes là, tout le bagage est passé, vous ne dites rien, mais nous que, je veux dire, nous avons un problème de leadership. Et population remettre en question la légitimation du pouvoir. C'est-à-dire que ne pas reconnaître dans nous-mêmes, ils dans l'autre système. Moi, on voit tout que l'État, au lieu que le travail pour les couches les plus défavorisées de la population, il y a tendance pour le travail pour les gens qui sont plus capables de tout. Moi, on un système d'assurance que, par exemple, j'aime des comptes dénoncés dans l'ONA, qui est supposé aller joindre les gens qui cotisent en eux, moi, on prend des millions, on a des sénateurs, on a des gros gens qui sont des capitalistes déjà. C'est ça, moi. C'est ça le système. Moi, je vois que, par exemple, au paquet, mon cap bataille dans la politique, et que, moi, vous voulez monter, et puis, à parler d'un budget, 121 milliards de gouttes, 100 combien milliards, regardez combien de millions de dollars liés, et puis, nous espérer que n'a pas fait pile route, n'a pas fait pile route, tout ça, avec combien de milliards. Moi, un pays qui n'a pas une production nationale, qui gagne plus que 60%, c'est pour payer monde qui travaille dans l'État. 40%, bah, même, qu'on a 20 millions de dollars américains. Et puis, nous avons tout route, tout rough, tout gros bagage, dit là-haut, si bien pas pour t'il. Et puis, nous peut poser problème, hein, comme ça. Nous regardons comment nous sommes capables de sortir de l'économie de rente, ça. Côté que nous avons un paquet d'investisseurs qui, juste, a acheté l'autre bois, et puis fait comme sous lit, et puis qui n'a pas créé un emploi véritablement pour nous entrer dans l'économie de production, pour nous permettre que nous produisions plus de travail, nous avons autosuffisance alimentaire, pour nous ne pas acheter ces domaines, pour nous ne pas acheter aux États-Unis, pour l'inflation ne pas monter. Mais c'est ça où, ouais, qui veut que tu as un problème. Donc, c'est radiographie qu'on fait là, ou diagnostic de la situation. Tout reste là, c'est pas. C'est utilisable, utiliser petit noir, petit sénateur, petit député, mais qui investit pour eux-mêmes pour faire bataille là. Mais c'est ça le problème. Maintenant, qui j'en pensais, ou qui rôle nos législateurs
a gagné pour jouer, ou bien t'as dû jouer, non, dans le système ça. Premier bagage là, c'est prendre conscience. Prendre conscience, par exemple, je dis à même si je dis ça, je dis à pas qu'à bon discours, vous m'avez shooté sur monsieur opposition, comme si je continue le bagage là. Ça veut dire soit demander pour nous prendre prise de conscience, c'est pas non jouer, non, mettre nous sur du fort en fait, dans les deux cas. Pour nous conscients que Jean nous a dirigé à pas bon, un. Et deuxièmement, pour nous connaître qui stratégie que vous êtes capable d'utiliser dans un régime démocratique pour changer un bagage. Je dis à quel que soit ce qu'on le fait, ou pas capable de passer par constitution. Parce que si là, parler de corruption, c'est non, pas. Mais est-ce que, je me pose la question ça plusieurs fois déjà, en plus le monde qui passait là. Je dis, en discours la rue, en discours politicien, est-ce que les tenus compte de ça nous est une constitution? Est-ce que pas déjà en veilleuse? Déjà en veilleuse, même quoi que si chaque on a une contribution par exemple, même tout le monde qui s'est reproché au Sénat. Moi-même, je dis pour le sénateur pas participer dans le choix au Premier ministre. Bon, si on est capable de faire par conscience, je vais m'encourager. Et moi-même, je ne vais jamais entrer dans le bagage comme ça encore. Mais cependant, on va rentrer dans ça. Question comme si même dans le choix, même si. Et peut-être pas être légitime. Jovenel, son ami personnel, c'est PHTK, c'est mettre pouvoir. Donc, comment faire ta cap? On te cache ensemble avec nous, coucher ensemble avec lui dans la chambre. Et puis, il a dit qu'il n'a pas le mettre ministre. Donc, c'est pas ça le problème. Parce que bon, moi, je suis dehors. Mm-hmm. C'est dans la construction pouvoir. Mais, pour sa population, a besoin là, je veux dire. Moi, je crois que. Et même l'homme d'Adil, avec un appel à la conscience citoyenne, avec à la conscience politicienne, l'État bon pour l'État écrit quelque part. Et c'est peut-être ça que l'amendement constitution, que le député de l'État Dieu, avec moi-même qui travaille sur lui, il est important pour nous charrier aux revendications. Sans ça, c'est menti, l'a fait. Nous avons fait un pile débat, je vous dis, sur la question Petro-Caribé. Mais il faut se poser la question Petro-Caribé. Bon, un monde, ça aurait critiqué là. Est-ce si, coup de compte, dans un rapport favorable qui dit tout le bagage est bien passé? Qui a dit le pas bon? On va attaquer devant la Cour de cassation. Ça veut dire que la législation ne va pas répondre à niveau de technicité, de stratégie qu'auteur nous a gagné. On peut nous gagner. Il a viré le système dans n'importe qui genre. Et puis encore, le Parlement. Mais l'homme dit le Parlement, pas peur de dire. Majorité responsabilité, hein, le Parlement qui est un groupe là-dedans. Parce que quand c'est pour des comptes ou pas, c'est la population anti-caldo, parce qu'elle choisit mon mieux. Parce que moi-même, on n'a pas de compte, pas qu'à bon menti, les va contrôler. Parce que nous avons d'abord, nous disons, nous sommes capables d'ériger mon autre coup de justice pour que ça remette. Qui rapport pensez au gain qui a gagné dans la Constitution, puis vous avez baillé de chambre de député pour mettre mon coup de compte en accusation, tout, c'est pour l'ériger dans votre coup de justice. C'est parce que justement, nous avons un gros travail pour la nation que Bali fait, je pense que nous avons trahi la nation là-dedans. Sous trahim, il faut que nous revenions dans ça. Nous n'avons jamais fait ça à la loi d'Io. Et puis, nous essayons un paquet de procédés qui ne peuvent pas marcher. Par exemple, nous voulons Aristide aller. Après ça, nous voulons aller une deuxième fois encore. Et puis, nous voulons aller Matéli aller nous couper. Pour nous voulons Jovenel. Donc, c'est une sorte de perversion de la démocratie. Mm. Je dis à mes collègues que ce n'est pas que de l'erreur, Auguste Cap parler, mais c'est lui-même qui m'enseignait. Quand vous expliquez cela à des gens de l'international, ils ne comprendront pas. Mm-hmm. Ouais, parce que je dis à moi-même, je peux avoir des problèmes avec le président. Et j'encourage, bien que l'effet est très tardif, et pour ceux qui ont une émission, ça, je dis vraiment pile félicitations. J'avais dit que, là, pour me critiquer le président Jovenel Moïse, je ne dis pas de comprendre moi. Je dis, l'un des plus grands stratèges qui passait là, c'est M. René Préval. Mais il faut avoir le courage pour dire que il va se payer à tout avec ce secteur privé. Je l'avais dit, j'avais le courage de le dire. Donc, il a de la stratégie pour se maintenir au pouvoir. Donc, autrement dit, il y a deux bagailles qui viennent antinomique, qui vient pas possible pour concilier, pour exister ensemble, pour être sous pouvoir, avec pour agir pour peuple en Haïti. C'est ça le problème du système. Non? Mm-hmm. Si pour travailler pour peuple vraiment vrai, ou pas pour arrêter pour pouvoir. Parce que d'abord, il n'y a pas le commencer en Genèse, monde qui était financé au électro. Mm-hmm. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que aujourd'hui, il y a une possibilité pour mon candidat sans pas bénéficier de financement, bah, on n'aime pas dire obscur, mais de un secteur quand même qui. Inévitablement, probablement obligé de m'en donner compte après. Et oui, il y a un peu de monde qui est le sans que ce n'est pas ça. Parce que prise de conscience, ça ne va pas marcher même côté. Non, c'est-à-dire qu'on député, on sénateur. Député, on sénateur. Président. Ça qui arrive. Président. Est-ce qu'un président, je dis, qui a élu sans compter sur financement. Il est possible. Il est possible. Ça veut dire que ce n'est pas le financement des partis politiques qui est mauvais en soi.
c'est le financement pour réduire le pays à un état de sous-développement. Mais, c'est ça qui va bon. Ça veut dire, il faut une prise de conscience. Bon, Marine a tellement là, comme mon président touché chaque mois, et lorsque vous multipliez le par 5, l'argent qui est investi dans la campagne, il compte 100 fois plus que l'argent que le président va gagner lui-même. Non, c'est peut-être ça que tout, des changements doivent être opérés au niveau. C'est peut-être ça, me parle du vote obligatoire. Le problème, c'est quoi qui fait que le président n'est pas capable d'élu? L'élection est devenue, pour lui, une spécialité que quelques monde gagnent dans chaque département, comme si des leaders, chaque leader de l'élection, même qui étudie l'élection, même sur le terrain, on te fait sauver, c'est yop pour baoul. Ouais, et l'élection a vienne faire tout, par exemple, nest ma pas le bon. Pour l'autre jeune qui besoin dans la politique, yo, ou pour arriver dans la communauté, il y a tant pasteur, ou bien il y a tel monde, il y a tant professeur, ou bien il y a tant radio, ou bien il y a réunir avec 8 monde, ça va être en élection longtemps. Parce que la population n'est pas suffisamment éduquée pour participer dans le choix, son monde qui a mené, et les partis politiques ne sont pas véritablement structurés pour connaître que bon ligne, pour ça, c'est démocrate, plus qu'à là, ça, c'est républicain. Mm-hmm. Donc tout le temps, ou pas arriver dans la forme ça, on va le joindre que, oh, M. Sao, qui c'est de grands leaders, il ne peut pas vivre sans l'argent. Il faut qu'il y ait un bon moyen. Donc, ou même, ou bon gros patron qui a un bon moyen pour qu'il y ait un bon moyen. Il ne faut pas obliger à joindre le peuple directement à Balmilgoud ou passer par des têtes de pont. C'est rare monde qui gagne fort pour faire passer ça, pour faire. Tête de pont est fondamentale dans l'élection. Et le pire, c'est que l'argent a une limite. Si on paye 12 millions de monde, nous avons au moins 6 millions de monde qui ont voté. Nous sommes capables de dire, même si nous avons l'argent pour 200 000 personnes, si nous sommes véritablement populaires, nous avons fait 200 000, 500 voix. Mm. Électorat très petit, nous n'avons pas le voter. Et ça qu'a fait aujourd'hui, là, les plus qu'à décourager, nous n'avons pas le voter. Or, c'est tout le monde qui doit voter aujourd'hui. Lorsque vous prenez, par exemple, des gens qui vivent dans l'arrière-pays, au niveau de la paysannerie, qui n'ont pas même qu'un leader politique du tout, n'ont pas de télévision pour eux, parce que là, nous avons dit, un tel pour aller, un tel. Mm. Et bien, aujourd'hui, là, qui vote rationnel ou capable bien là. Et c'est ça qui fait que nous toujours connaissons qui nous ne pas voulons. Nous ne jamais connaissons qui nous voulons véritablement. Parce que le parc qu'on aime, son bruit tendait qui fait véritablement et puis lui accepter. Je veux dire, l'homme parlait de vote obligatoire que vous voulez mettre dans la constitution et que ma bataille pour me quitter ça pour le pays. Ça prend le fait que, par exemple, si nous avons 18 ans qui n'a pas fait nous, 19, 21 ans, qui n'a pas université, au moins il n'y a pas parlé avec parents pour dire non. Moun sa vin bon paquet pour mes ça. C'est menti, il n'y a pas qu'à faire ça véritablement. Parce que mon professeur m'a dit à parler de ça, il n'y a pas qu'on s'en va avec l'État à fonctionner. Donc, on ne peut pas comprendre comment l'État a fonctionné. Donc, n'importe qui moun qui a passé, et il faut avoir l'impression que, au niveau sénateur, député, 800 voix, 1200 voix, tout pour moun nambo. Avec 1200 voix, avec misère qui gagne dans la population, achetez votre à 1000 gouttes. Donc, on part trop cabane, on est 1 million gouttes seulement et puis on gagne l'élection. Alors que, il y a 25 000 personnes qui ont voté. Mais comment ça fait? Il y a 25 000 personnes qui ont voté. Si il y a 25 000 personnes qui ont voté, il a fait 1 200 voix et puis l'équipe populaire, tout le monde, il a fait 3 000 voix. Sénateur, beaucoup fait expérience. Là, je dis beaucoup. Et comment ça fait? Leur candidat, si vous même allez vers les bailleurs, ou bien les bailleurs qui ont observé, il a dit, ah, next, ça, j'en parle le Gabon, et puis ils font un coup de fil. Je ne sais pas si c'est non, non. Comment ça fait? Sénateur, que de Augustin, pas d'un côté, aucun bailleur. Il est clair que PHT est en tant que parti politique qui est dès que nous vivons là, et c'est ça qui fait que nous avons une ligne, ça a tombé, nous ne pouvons pas comprendre. Lorsque je n'ai pas voté le Premier ministre, je n'ai pas gagné personnel. J'estime que je suis sénateur PHT, car je suis militant de service. Lorsque je critique, je me dis président, pour aller tomber, je me dis c'est parce que je connais un candidat PHT, car bon, ça c'est ma redevance au parti politique. Mm-hmm. Ça veut dire que ce n'est pas mon TP mandataire, ça veut dire parti politique qui fait, ça veut dire qu'il y a eu des financements. Et à partir de ce moment, tout sénateur. Gain pour devoir, non pas seulement pour courir tout ça qui pas bon, mais au moins alerter l'élevabot qui va parler dans le sens parti. Parce qu'une expérience faite au pouvoir, c'est lui-même qui va dire qui est sur qu'à votant, quoi, qui succède parti. C'est pour ça que qui dit que l'hostilité a commencé contre Jovenel Moïse, même pour côté PHTK. PHTK y allié. Et ou après cohérence, moi-même, qui est de Augustin, je suis en note, côté que nous disons, font camper. Sous PHTK, en attendant que dirigeants conformés. Et à ce qu'il paraît, je crois que notre nom a été fait, parce que nous avons demandé que M. Lili Baltazar, nos commissions que le président a lancées, et parce que ça me trouvé ça bizarre que le président a corrompu le ministre, que le président a dit, il est l'homme de la situation, vice-président même a dit, c'est lui
Alors moi-même, qui dit que je suis un homme sérieux, qui a parlé pour parti politique, je me suis côté de tout sénateur a voté, monsieur Seyan, moi seul pas voté, parce que je me dis que pour le conflit, il y a toujours un mal. Mais finalement, je me toujours bien raison. Donc je dis à moi, je pense que ça n'a pas dans mon problème au niveau de la cohérence que je dois gagner. Parce que je ne sais pas est-ce que c'est sa président dit qu'on suit, est-ce que c'est sa président Patia, est-ce que c'est sa vice-président dit, et 10 sénateurs qui s'arrivent dans Patia véritablement. À partir de ce moment, on vient de rendre compte que parti comme il est là, honnêtement, au lieu que pour nous être capable, des possibilités pour nous contribuer, pour nous structurer, pour nous faire une différence par rapport à l'autre, on va nous prendre route pour nous même genre avec tout le monde. Je vais retourner à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Parce que le problème pays, aujourd'hui, c'est le système qui a mal fonctionné, le système qui n'est pas dans l'intérêt du pays, dans son ensemble, population, la misère et autres, ou bien quelques explications, mais qui rôle pour le sénateur a joué, l'État, chef de l'État, mais qui s'est pas fait tout, mais où dit que c'est conscience pour le monde? Est-ce que ça suffit? Eh bien, si nous ne prenons pas le processus, ça ne va pas le faire. On ne prend pas exemple ça qui a passé là dans la réalité. Non, mais non. Excusez-moi, sénateur. Nous prenons conscience. Nous voyons la situation pas bon. Mais maintenant, qui ça nous va le faire? Après, nous finissons pas le processus. Depuis nous finissons pas le processus, après ça, pour nous faire. Le processus, c'est qui ça lié? Est-ce que nous avons contrôlé combien de monde qui mourent? Est-ce que nous avons contrôlé qui ça s'appelle compter sur le plan économique? Maintenant, vous voyez monter. Le fait que il y a une pile d'entreprises qui ferme. Il n'y a pas les. Sinon, si on n'a pas les conséquences, ça qui passe. Il n'y a pas 4 personnes qui ferment là. Il y a 24 personnes qui travaillent ou qui étaient 2. Même ça, il y a un petit monde qui ouvre l'école. Et c'est mélimélo politicien. Et je dis, il n'y a pas personne qui est capable de dire, je dis, même si je critique le président Jovenel, il y a une solution pour qu'il fasse payer ça, il y a une passer à un haut niveau de production nationale pour nous capables de réduire l'inflation, pour nous faire tout ça qui est bon véritablement. Il faut que nous prenions conscience, il faut que nous ne prenions pas le peuple à mentir. Je pense que si Jovenel allait demain, là pour aider demain, ce n'est pas vrai. Je vais aller à l'île, je vais aller à l'île, une fois, aller à l'île. C'est pas vrai, nous ne pouvons pas nous mentir. D'ailleurs, premier problème, n'a pas le gain. Quelle légitimité le président n'a pas le média? Et nous avons dit en pile discussion, même en opposition, et qui n'est pas d'accord, que chaque monde ne demande pas. Est-ce que nous sommes d'accord que véritablement, forme de démocratie que nous voulons, c'est nous cacher ensemble, nous dire qu'il nous voulait, et que ce n'est pas élection libre? Est-ce que nous sommes d'accord que c'est ça, nous voulons comme mode de démocratie? Donc, on se dit là où il y a des objections par rapport à l'accord de Mariotte. Je ne peux pas accepter l'accord de Mariotte. L'accord de Mariotte n'est pas qu'à mander pour mon groupe. Ce n'est pas moi seul, mais en pile militant en opposition, pendant que l'autre bois m'a regardé, qui critique elle, m'a regardé directement, militant en opposition, d'ailleurs, m'a regardé. Lui-même, le monsieur a prévenu, il y a un paquet de militants qui dit que, je vais prendre dans la rue, il y a un ancien vieux ou vieux rat politique d'Ocalé, puis retourner avec eux là encore. Donc, c'est difficile, même il faut qu'ils rendent compte, modèle ça, et soit qu'il a passé Mariotte là. C'est lui qui a passé dans tant longtemps, le robot corps systématisé le régime démocratique là, qui fait que il y a un pile de monde qui travaille, qui dit meilleure façon pour concilier les différences, en nous faisant élection, que majorité a gagné. Je ne dis pas que le président Jovenel, c'est le plus gros président, et puis d'ailleurs, au niveau de la population actuellement, pour deux pays, il y a un pile de complaintes, fait qu'il m'a que le bras levé, entendez, il y a un blackout, il y a un problème qui n'est pas bon, donc je ne peux pas dire que je suis satisfait tout le monde, mais cependant, Fok et me critiquer le président, tout le temps, quel réaliste. Le président va mesurer les forces politiques en présence. Mon temps, le président font un discours, il dit c'est parce que pour quoi il y a un dossier. Moi, le président, je me dis déjà. Je me dis que, pour nous, on veut là, il y a un monde qui a déjà. Il y a des contrats. Pour essayer de d'accord perdu. Ou tout le monde a fait 600 000 dollars, il y a un monde qui fait déjà. Il y a à combien pour 1 500 000 de contrats. Est-ce qu'il y a d'accord pour ça? Est-ce qu'en vont lancer une initiative là, il n'y a pas d'abord pour changer stratégie de communication, pour au moins faire peuple là, ou est-ce qu'on va pour accompagner, ou pas, je me dis. Et pour être attaché à vos messieurs, et puis qu'on y a eu un menteur, et puis jusqu'à présent, et pour la présidente, ouais, qui est probablement obligé de raconter. Mais moi, je me suis dit depuis le commencement, mais malheureusement, on n'a pas compris. Et je ne pas dire tout dans une façon pour me dévouer mon écraser mon. C'est après 29 voyages dans le Carrefour Joffre, je suis 3 fois. Moi, je suis campé par travail. Moi, je fais intervention pendant plusieurs fois. Puis, je suis payé des gens qui sont bien à travail sur une route. Des gens qui sont au CAI. Des gens qui sont au CAP. Des gens qui sont au Gonaïve. Des gens qui sont juste Port-au-Prince. Cap travail. La CUL. Et puis, il y a 7 mois, je ne paye pas. Et il y a un travail qui est fait dans tout le département. C'est comme ça tout. Je dis bon. Pensez que le professeur plein, policier plein, je ne suis pas capable de toucher. Je dis, mon problème, l'argent. Je dis, président, on ne sait pas passer.
sous vous pas capable de faire avec cabane négocier avec nous pour faire ce qu'on capable de faire. On parle de monde qui était contre. Oui, à un certain moment je te dis ça parce que moi-même t'es pour que puisque on va parler d'échanger communication, on va parler des populations bagarre là. Moi dis le bien négocier avec eux. Et malheureusement bagarre arrive en pire, il pas de comprendre moi et je dis à lui obligé couvrable ça, il obligé de dire je dis à. En proposant la tournée pour l'autre sujet, sénateur. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le sénateur Kedler Augustin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. La PNC, le plan épargne retraite PNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Toute variété, la qualité bon marché, télévision, que ce soit ma tête, c'est la vie. Oh, le MSC est en métallique, toute gamme matérielle électrique. Oh, le MSC, tout gros business, toute compagnie, son seul côté vous voulez acheter. Le MSC Trading, Abjun Cobblin, Squagas, Simons, Sablé, Abracol, Elmers, Gerber. Formation, réunion 36-62-08-08. MSC Trading. Plus pour moins. La PNC a 40 ans. 40 ans d'existence, mais plus d'un siècle d'histoire. Nos origines remontent aux prémices de l'histoire bancaire haïtienne avec le président Lusius Salomon Jeune. Et puis, le temps. Les transformations, les changements nous ont rendus forts, plus forts, en accumulant une solide expérience que nous vous offrons tous les jours à travers nos produits et services partout au pays. Et comme ce lien de sang, nos progrès, nos projets témoignent admirablement de la convivialité entre patrimoine et modernité. En 1979, la PNC était le présent de vos parents. En 2019, 40 ans plus tard, la PNC est votre présent. Nous sommes fiers d'assumer l'équilibre entre le passé, l'histoire et le futur, l'avenir. PNC, l'expérience au service de toutes les générations. Tenue professionnelle, tenue décontractée, les vêtements à la mode, élégants, chic, sont à Home Store. Home Store, le meilleur magasin de vêtements pour hommes. Belzine Belvedere, Pétionville. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la PNC. Le plan épargne retraite PNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci surtout de l'intérêt. Le sénateur Kedler Augustin est notre invité ce matin. Sénateur, et ça peut passer le deuxième lundi de janvier. C'est... Bon, en principe, vous avez un sénat qui a dû aller. Et qui est au moins du sénateur, mais vous entendez des débats agités qui vous disent deux tiers, c'est un tiers. Mais d'après précédemment quelques présidents des points, moi plus attaché à un tiers sénat qui pourrait aller. Et de ça, dans le Parlement qui n'a pas de chambre de député parce que turbulence politique ne permet pas permettre que nous fassions élection. Et moi, écouté hier, on débat sur mon gars dit que le président, c'est magistrat, qui dit que le président n'a pas fait élection, donc il n'a pas voulu nous aller. Mais personne, même pas d'accord, élection fait tout. C'est qu'on s'allie, son stratégie de bloquer l'élection, ou venir mener pays à nos états d'ingouvernabilité, je veux dire. Même quoi que je veux dire, nous parler, voyons, en forme de gestion particulière, que nous habitués gagner déjà, côté que le Parlement va être amputé de une chambre qui va bien une chambre députée,
Et c'est la nécessité pour que les acteurs chitent le plus vite que possible pour résoudre le problème électoral ça, pour revenir à la normalité constitutionnelle. Et à partir de ce moment, je crois que la bataille contre le système, même très attaché à la bataille contre le système. Là. Attention, bable, mon nom prend la même. Bataille contre le système, il n'est pas ni pour le président seulement, il n'est pas ni pour l'opposition. D'ailleurs, tout le monde a dit système. Là. Mm-hmm. Mais véritablement que nous faisons une bonne bataille contre. On se fait bagaille, moi, qu'on est seulement. Nous faisons une bonne bataille contre le système. Là. C'est ou bien nous disons, nous cassons, fait couvrir ça. Ou bien nous faisons une bonne bataille brutale qui fait dans le pays. Là. Mm-hmm. Ça veut dire que nous avons identifié le monde qui est responsable. Là. Si nous sommes parlementaires, nous sommes en fonction, et que nous entendons que combien de corps sont sous la rampe au Caribe, et puis pas grand geste qui était fait, nous ne sommes pas innocents. Nous avons fait une enquête souvent pour nous pour connaître pour qui raison que nous ne sommes pas dans ça. Mm-hmm. Vous comprenez? Si nous sommes parlementaires, si nous avons l'inspection générale des finances, si nous avons un comptable public qui doit autoriser des questions, tout le monde ne sera pas passé. Ce n'est pas des mondes qui n'ont pas fait, véritablement. Donc je dis à moi que cette prise de conscience, étant donné que on ne peut pas avoir une évolution violente et ne pas souhaiter le tout. On peut avoir une évolution en douceur au niveau des esprits, des idées, pour nous prendre prise de conscience, pour nous aller sur de nouvelles bases. Mm. Parce que ceux qui... Mais là, ça, on a besoin des prérequis. Parce que dans tête tout le monde, de vous dire, bon, pas tout le monde, dans tête en pile monde, pas une révolution en douce, une révolution violente. Non, mais là il faut que les gens se parlent. Il faut que les gens se prennent leurs responsabilités. Moi-même, que maman m'a répété à l'école, qui fait université, qui vient dans le niveau qui est là, nous avons deux voix et voter comme sénateur. C'est 4195 voix. Donc ça veut dire que nous avons pile de monde, M plus quoi que, qu'un pile de monde qui vote pour compétence, je pense que c'est mon lumière, je suis capable de bailler. Je ne suis pas arrivé là, je me fais un embouchement. Nous ne sommes pas capables de changer le système. Ce n'est pas mon mieux seulement. Les acteurs n'existent, font partie du système. Mais ce n'est pas acteurs seulement qui fait partie du système. Et plus on change, plus c'est la même chose. Je dis à changement système, je veux dire, il faut que nous gardions cause. Par exemple, le marchandage politique qu'il y a au niveau de la nomination de Premier ministre, qui s'en a fait avec lui? Un, eh bien, mettons le gouvernement, qui montre l'élection ensemble avec lui directement. Deux, et puis retirer parlementaire dans tout le bagage. Est-ce qu'il ne faudrait pas légiférer pour nous dire que la constitution doit faire enquête pour que film parlementaire pas qu'il doit venir bider pour venir contrer à l'État? La fonction politique est une... Pour tout le monde, depuis mon député sénateur, toi, quand mon gars filmé, vous avez passé, vous avez menti. Ou comme si vous avez regardé pour nous. Donc, après, même là, vous n'avez pas filmé, vous créez filmé, vous avez fait affaire. Ou dans EPP, vous avez développé déjà le projet, ou vous fait. Donc, ça veut dire que je dis, si nous avons bataille contre le système, il faut que nous fassions. Bataille contre le système, vous voulez dire que le secteur privé, l'argent ne l'est pas, on ne va pas battre. Mais nous sommes capables de mettre en procédure, pour mettre en prise de conscience. On nous investit dans la production nationale. Excusez-moi, cela dit que là, c'est quand on a commencé à répondre à la question de vos pendant pour un passé émission. Donc cela veut dire que le changement a supposé commencer à opérer au niveau du Parlement d'abord. Au niveau du Parlement. Bon, oui, au niveau du Parlement, parce que bon rôle peut jouer dans la légifération. Et là, nous bien quand on dit ça, Wendel. Nous faisons là, ma petite collègue sénateur. Dans le moment que ça se passe là, puis vient nous te carré le monde jusqu'à présent, c'est député et sénateur. Et nous avons noté qui était plus vulnérable dans ce qui se passe. Et n'empêche qu'on gagne un million dans la prochaine élection. On a gagné quand même. Donc il faut que vous posez cette question. Donc le système électoral n'est pas bon. Toujours un gros ventilapli. Ou mon bagage commence, je dis à pire avec un pile d'émotion. Puis on doit atteindre une personnalité au monde même. Avec émotion, et puis après, ça aurait plus, c'est la même chose. Mais ça, ici, pour la donne. Donc, on fait ça. Exactement. Donc, à partir de ce moment, je crois que le Parlement, par rapport à flot de critiques, elle nous méritait parce que nous avons contrôle. Là, nous avons contrôle. Il n'est pas nécessairement les parlementaires, les sénateurs qui en fonction. L'institution en elle-même, tout le monde considère. Il y a des bagailles que nous devons faire, nous ne pouvons pas faire. Mais n'empêche faut que. Vous voyez le signal. N'empêche que gagner. Non, jusqu'à faut... preuve du contraire, de bons sénateurs. Enfin, de il y a eu de bons sénateurs, de bons mais je connais que beaucoup de parlementaires, mes collègues, qui sont très attachés à certains privilèges. Il faut que nous acceptions de renoncer à privilèges. Il faut que nous acceptions que cette question d'immunité totale. Mon parlementaire, quoi, le café, tout ça. Ouais, je dis, par exemple, au gars, ouais, si nous te disons longtemps, on l'autre pas content, mais là, les oppositions, crasé, brisé, tout le monde, nous, éminisé, tout à l'heure, pas bon. Vous comprenez? Mais là, nous te disons, on est qui dans le pouvoir, t'es gars, ouais, pas content. Pas qu'à créer immunité totale pour parlementaire.
Les mal États-Unis, je me suis dit, on sénateur qui a passé devant le temps pour tout le monde. Mm-hmm. Véritablement. Donc, je pense que faut que nous retirions la question de l'immunité totale là. Faut que le Parlement n'ait pas qu'à bider dans les affaires contre là. Faut que nous réduisions les privilèges pour nous être dans le rôle législateur par nous. Et puis, faut que tout. Nous sortons dans la démagogie. Nous sommes par exemple, quelle loi l'a fait, loi pour loi. Eh bien, oui. Fais bonne loi qui est bonne dans le pays. Par exemple, je fais bonne loi. Nous ne pouvons pas faire une loi qui est véritablement. Nous ne pouvons pas être dans notre pouvoir. Nous ne pouvons pas être nos décharges. Nous ne pouvons pas être nos décharges. Nous ne pouvons pas montrer que nous sommes capables de gérer nos biens. Nous ne pouvons pas être nos décharges. Donc, ça, la population ne va pas attendre bien, quelle que soit la réforme qui a été faite. Par contre, quel sénateur qui garde une campagne pour étirer ça véritablement? Donc, ça veut dire que c'est comment c'est fait ces arrières dans la caille, nous? Chaque monde. Et puis, pour être capable d'agir sous pouvoir lui-même. Agir sous pouvoir lui-même. Mais il faut pour cela, une bonne garantie, je ne veux pas être trop naïf. Je ne vais pas prêter aujourd'hui pour que ça change. C'est à travers de nouvelles classes politiques. Une nouvelle classe politique. Et c'est ça qu'il faut moi-même. Et donc, nous devons attendre le vote obligatoire. À une autre génération de oui, politique. À une autre génération. C'est, on peut. Parvenir à une solution de la crise actuelle. Est-ce que pour résoudre le problème pays, la crise actuelle là, nous capables de résoudre, nous dit parlementaire, n'a campé de gouvernement, vous comprenez, n'a réduit certaines choses, opposition lui-même n'a fait partie du gouvernement, pouvoir tout la cohabiter ensemble avec eux, ça me paraît c'est la solution. C'est pas la solution. Solution, peuple a toujours mis en misère, peuple a toujours pas de travail. Est-ce que sénateur Kedley Augustin, est-ce que pour une implication de la diaspora par exemple, dans le changement de système que nous préconisons? Posez mon gros question là, Wendel. Pourquoi que l'émission ça, là, l'offre encore, toujours fait des émissions historiques ensemble avec vous, là, pour émission historique. Sénateur Kedley Augustin, pas quoi, non, vous est monté, ni. Pour un gros politicien, il faut qu'on baille mentir. Le gros politicien haïtien, qu'est-ce qu'il est? C'est un grand stratège. Il a dit n'importe quelle qualité bagaille, il a fait n'importe quelle qualité d'action pour l'aboutir à fin. Et puis, on va dire non, grand politicien. Je ne peux pas parler de moralité, de principe, de bagarre, de ce parce qu'on peut comprendre l'expérience politique. Mm-hmm. Donc, société a jusqu'à présent accepté que les plus coquins, les plus vicieux, les plus audacieux, ce sont les plus grands politiciens. Donc, je dis, il faut que nous fassions garçon pour nous paraître comme ça encore. Et dans la même bagarre dans la diaspora, ça, nous avons un paquet de faux batailles qui ont fait dans le pays. Si on parle de système, question diaspora d'abord. Avant qu'il ait Odori, il faut intégrer la diaspora. C'est faux. C'est parce qu'ils connaissent son électorat lié par rapport à support économique. Et le premier bagage qu'il y a, il faut que nous résolvions le problème social qui gagne en diaspora et haïtien qui souterrain. Le premier bagage, c'est que, je l'ai dit ça, nous prenons un grand peu de diaspora qui parle fâché. Il faut que diaspora accepte que il manque connaissance de réalité politique terrien. D'ailleurs, j'ai critiqué le président Jovenel parce qu'il me dit qu'il manque connaissance. Ce n'est pas eux-mêmes. Jovenel qui dit là, ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont bois. Je suis capable de prétendre. Que contre tout coquin, tout ça, mon cas fait pour bloquer, pour penser au cas dirigé. Et à partir de ce moment, mais il faut que nous reconnaître que j'ai un gros rôle et que c'est des haïtiens à part entière. Et moi-même, moi, mettez parmi les gens qui plus aiment le pays, parce que je plus humilié au Wendel, là, au campé à l'étranger. Il y a gardé mon ap manger, mon ap couper, mon épile, mon épile, dit haïtien. Nous parlons ensemble avec eux, sentir tout le monde qui va humilier. Je vais prendre au point. Ça fait mal. Maintenant, sénateur, comment les intégrer? Comment les intégrer? Bien qu'on se dise que c'est difficile pour eux. Manque de connaissance du milieu. Là, il faut cette modestie. En pile, là, on n'est pas d'accord qu'on dit. Il faut cette modestie. De notre côté également, ceux-là qui connaissent le milieu sur le terrain, ils ont manifesté en forme de refus pour bloquer eux. Puis ils ne pas venir. Alors que puis ils ont mis les têtes ensemble. Ils ont fait ensemble. Et ça, nous ne sommes pas capables de faire. Que mon dit expérience, hein? Mettez les têtes ensemble avec diaspora, parce qu'une grande partie, je ne parle pas de développement, développement pas fait sans monde. Je veux dire, assistant, mettez les têtes, nous mentis, 50 000 universités, à regarder chaque petit qui a son université. Et puis, il a discuté avec lui, il dit qu'il a un diplôme, à partir du diplôme, il faut que le président, il faut que le premier ministre, il faut que le sénateur, lui-même médecin, lui-même sénateur, lui-même magistrat, lui-même toute qualité de bagaille. Avec un système éducatif. Je dis, eh bien, système éducatif là, pas bon. Et c'est une critique qu'on fait par exemple à ministre Pierre-Joseph Agenor, c'est que c'est un homme combatif qui bataille, qui est des gouvernements, qui bataille avec Negio. Il mérite d'essayer d'adresser ces problèmes pour essayer de ne pas toucher parce que c'est des autres qui ont été faits là-dedans. Mais jusqu'à présent, le problème de la qualité de l'éducation n'est jamais entamé. Et si on n'a pas une qualité d'éducation, ça capable de faire des nouvelles hommes. On n'a pas besoin de capable de faire. Tout le monde voulait pour le docteur, avocat, ingénieur, journaliste, alors que les corps de métier qui ont la cause de développement dans l'informatique, dans la plomberie, dans le CAI, dans ce site. Aujourd'hui, à 12 ans, j'ai été passé, Wendel, ou crié en pile. Ou m'a besoin d'expliquer comment tu es triste, m'a besoin de combien de monde nous avons pour m'a pas les fois surtout de la gomme proche ou tout, pour dire ma raison, son gène.
Mais 300 000 monde, qui c'est vrai, qui c'est pas vrai, mais nous n'avons pas qu'être mourir. Oui. Mais qui est-ce qui est la cause? C'est pas tremblement de terre, nous n'avons qu'à limiter, c'est parce que nous n'avons pas l'autorité de l'État, pas d'affirmer là, c'est pour qu'il y ait des mondes qui sont capables de mettre des codes de construction. Mais jusqu'à présent, on continue à construire de la même manière. Ça va faire objet de débat non, bon, non, côté opposition. Oh, d'abord, oh, okay, qui a critiqué le pouvoir sur ça, non? Oui, non, question de construction qui n'est capable pas respecter aucune norme, aucun code. Oui. Mais, sénateur, est-ce que vous pensez que l'État a agi par rapport à la construction qu'a faite dans la ville aujourd'hui et que n'est pas le gros de l'eau parle avec tout, tout le monde? Eh bien, c'est même démagogie à faut que nous campions. Faut qu'on gagne courage. C'est parce que la constitution est électorale. Moi, je n'en ai qu'à venir proposer, qu'à dire l'État, c'est méchant, vous voyez, vous décrasez nous. Et puis, peuple là, d'accord. Et puis, il faut que nous suspendions. C'est ça, c'est cette prise de conscience pour la révolution du système. Si nous parvenons à une prise de conscience ça, pour nous suspendre, le peuple a menti, je dis à. Il faut que nous acceptions que nous n'est pas capables de soutenir la veine, le traitement des bassins versants, c'est nous capables de la cause d'inondation. Il faut que nous acceptions que les scientifiques. Comme vous dites, toi qui dis, vous pouvez répondre à la question diaspora, non? Diaspora, oui. Moi, je crois que faut que la diaspora plus ouverture. Dans le premier amendement qui était fait là, moi, j'étais consultant. Dans le premier amendement, j'ai travaillé sur lui, ensemble avec des mondes que je suis en train de pas remercier. C'était gratuit. Professeur Léon Saint-Louis, professeur Mouféry d'Orval, et c'était moi-même qui était Augustin, et puis avec professeur Henri Dollier, Henri Marge Dollier. C'était des gens qui travaillaient gratis pour payer un amendement. Et discussion était agitée bon côté parlementaire, bon côté pays. Et nous-mêmes, en tant que technicien, nous mangeons, nous disons, well, il y a des gens qui couraient nos questions nationalistes fort, qui dit que certaines fonctions qui t'a dû réserver à des nationaux qui n'ont jamais commencé à leur nationalité. Et moi-même, position PAM, moi te crois que faut que nous ouvrions bah, international la possibilité pour venir. Bah, j'espère. Bon, ouvert. Pour qui ça? Parce que je dis à Wendell, c'est réalité, il n'y a pas le de système comme si mon notre bureau qui a voulu l'argent pour nous n'a pas fait partie du système. Or, nous avons des milliers de petites, pour ne pas dire des millions de petits mondes, qui pas même capable de créole même, alors que nous venons en Haïti, tout le monde en Haïti. Et vous êtes bienvenus et venus en Haïti pour permettre aux ressources et aux parents, mais insécurité tout le temps, misérablement. Donc, on perd du tout ça, qui prend formation, l'autre bois, qui a une bonne formation en médecine, tout, qui pas même à 60 à 50 ans, il a dit, je vais retourner dans le pays, qu'on a envie de faire ça, de faire dans l'université. Vous ne pas capable de venir, je dis. Comment on peut améliorer le système, ça, je dis, lorsqu'on ne crée aucun espace pour permettre que majorité de monde qui gagne, vous connaissez pas d'accord tout. Majorité de monde compétent dans le pays, dans la diaspora, oui. C'est pas parce que c'est au plus fort. Système éducatif est au plus bon que pas. Système éducatif est expérimental et moi, je garde moi au plus fort. Grand pile dans yo. Il y a qui est capable de dire ça, c'est parce que nous comptons ça. Nous-mêmes, politiciens haïtiens, nous comptons ça. Nous avons barré la route aux haïtiens de la diaspora. Oui, il y a un pile qui fait, c'est pour barrer la route. Alors que nous avons préféré qu'on dise, mon cher, mais comme en réalité, on nous chita ensemble pour nous faire ensemble. Et je crois que c'est dans la démagogie, mettons le ministère qui a venu résoudre, nous mettons le ministère des Affaires à l'étranger, sans garder. Et puis, il y a un groupe de monde qui propose militants diaspora, et puis, il y a un ministre quand même, même bagarre, même fait que la commencé dans la bataille féminine en tout. Je mettons le ministère féminin comme si le problème femme résoudre. C'est démagogie. Bah, j'ai peur pour ne pas voter. Et c'est ça que je me dis, en sénateur, le premier bagage pour faire, c'est pour accepter que nous ne devons pas voter. Et c'est peut-être ça que je me parle comme ça. On connaît le mouvement femme qui pourra rien. Il va dire, mais parce que politicien qui fait me dire ça. Mais mouvement bagage, lors du ministère des Affaires étrangères, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la foule. Au ministère des Affaires étrangères qui a une direction qui gère ça. On dit ministère des conditions féminines, au ministère des Affaires sociales qui a une direction qui gère ça. Maintenant, l'on fait ça. Est-ce que vous avez prévu un budget pour tout le monde pour payer? Qui loi économique vous avez proposé pour soutenir? Bon, l'autre auditeur qui dit nous que est-ce qu'on comprend que conscience dépend de l'éducation familiale? Conscience dépend de un paquet de bagages. Alors, excusez-moi, de l'éducation familiale, sociale, l'école encore, oui. Est-ce que le sénateur a connu que. Ok, il y a un qui dit qu'il pensait que la diaspora a divisé, tout ça que fait, y a, tout ça que fait, il y a plein. Sinon, il n'a pas contre le pays hein, déjà. Donc, ça, c'est un point de vue qui parle besoin de réaction. Et je vais demander pour Mando, sur qui base on dit que la diaspora n'a pas connu la réalité haïtienne en matière politique. Il n'y a pas de monde qui est en Haïti, qui a vu en Haïti, pas qu'on est en réalité. Et moi-même, tout le monde n'aime pas de connaître.
première fois dans l'élection, je vais maîtriser. Vous comprenez? Ça veut dire que pour paquet de bagages sous terrain. Par exemple, pour qui doit passer. Par exemple, mon ministre, je connais. Il y a un verre qui est sous à l'étranger. Ça, il faut dire non, c'est comme ça qu'il doit faire. Mais parfois, c'est comme ça que le pays développé, fonctionner. Et puis, bon, la réalité que le parcours en Haïti. Ce n'est pas mauvaise foi que le gagne. Mais par contre, la réalité, ça, véritablement. Réalité, ça, il faut que bon monde qui dit, c'est pas tout ça, ouais. D'ailleurs, il ne peut pas comprendre. D'ailleurs, bon, ma parle bon bagage. Bon diaspora, anti-frère. Qui dit, est-ce en Haïti? Et puis, l'homme il m'a déposé le téléphone, et puis il dit, ou va y un 4 pour 5 dollars, pour changer, ou 250 pour acheter 4. Même si il y a un million, il n'y a pas de parler encore. Il dit, pas qu'à comprendre ça. Comment on fait pour acheter 4 à chaque fois pour me parler? Et il dit, mais je ne paye pas moi pour un téléphone. Donc on fait chaque 4, un petit moment 4 finit sur moi. Il ne pas comprendre ça. Il est énervé. Véritablement. Donc ça veut dire qu'il y a des réalités, effectivement. Ce n'est pas que le fait que le pouvoir qu'on ait réalité, il n'y a pas qu'à faire politique, il n'y a pas qu'à là-dedans. Il faut que les gens qui souterrent acceptent de mettre tête ensemble avec eux sans démagogie et que la bataille, ce n'est pas bataille pour un poste ministériel. Que ce soit au niveau ministère ça, que ce soit au niveau ministère conditions féminines, moi malgré le métal, rien n'a changé véritablement. Est-ce que changer le système, non, t'a doué inévitablement abouti à un renforcement de l'État? Pourquoi ça me pose une question? Ça, c'est parce que mon dit qu'il y a une loi qui existait déjà, sauf que pas jamais appliquée. Il y a un code de construction qui existait, pas jamais construit. Qui fait que si demain ou après-demain, il y a un autre tremblement de terre passé encore, il y a une possibilité pour que gagne autant de monde qui mourent. Avec la différence, monde qui n'a pas couru entre en bas pour le cacher dans vos affaires. Parce que les gens qui étaient dans la rue, l'œil aurait été après en bas. Ils ont couru entre à la caille ou avant caille. Il y a le monde. Donc ce qui, étant donné que nous avons informé qu'on est là, les gens qui sont dans la caille sont. Mais jusqu'à présent, on a dit que la caille n'est pas tombée encore, sénateur. Est-ce que le changement de système n'a pas adoué inévitablement passer par le renforcement de l'État, un État qui est fort, qui est capable de sanctionner et qui a une autorité tout. Je veux dire, pas une autorité. Moi, je crois que ça a dit à d'autres plus. Et c'est peut-être ça qui fait que la bataille politique qu'a faite là, moi, je crois que le Parlement nous mérite un peu de critique. Moi, je crois que c'est le WAP. Détruire l'institution, c'est pas, on va parler de grand sénateur avec député qui l'a exactement. Là, bon. Parce que le Parlement qui l'a, je dis, c'est parce que tu as un système côté des exécutifs tout puissants qui a fait n'importe quelle qualité, bagaille, qui est capable de violer droit au monde, droit à la presse, droit à toute qualité, bagaille. Donc, nous toujours dans la possibilité, ça, parce que nous sommes toujours dans la transition. Donc, il a tempéré le pouvoir exécutif là avec un Parlement. Et je dis, le problème, moi, je dis, nous avons fait là, c'est un rôle parlementaire. Puis après, exercer le contrôle de l'action gouvernementale pour assurer que les ministères sectoriels nous font travail par eux, les osgrés, par exemple, au Parlement, tu as prouvé l'émission ça, le monde qui est responsable de la commission de travaux publics et communication, il est supposé inviter ou bien convoquer. Et malheureusement, et c'est ça que je dis pour mes collègues sénateurs, ou pas capable qu'il y a une commission et puis comme si c'est vous-même qui défendez le ministre encore. Ça n'a pas fait. Comment faire défendre? Ou sénateur, député, ou dans la commission, il peut défendre. Non! Bon, tendance que mon commission, c'est le cap défendre. Non, il faut que je dise, le sénateur est capable de connaître. Mais à cela, il faut dire également, la population en parle quoi que c'est ça pour le monde fait, pour bon, pour élu. Parce que chaque monde qui est élu, premier bagage qui est dans la tête, comme l'a fait réélu. Et je dis, l'homme de parler de prise de conscience que l'auditeur a parlé là, lui, soutenir l'éducation familiale, effectivement. Il sortit dans les appareils idéologiques, il sortit dans l'église, il sortit dans les médias. Ce sont des journalistes. On fait une émission, on fait l'apologie de la violence. Et. On a gagné plus de popularité. On a gagné plus de popularité. On a toujours gagné de popularité quand même. Non, on a pas avoué que. On a toujours gagné de popularité. Non, même si on a gagné de popularité plus vite. Non, un peu de monde après même tout. Avant qu'il y ait plus de monde. Le fait qu'il m'a fait apologie de la violence. Apologie de la violence, oui, à partir de ce moment. Un peu de fan. À partir de ce moment, les secteurs de la presse. Parce que le problème, c'est quoi? C'est le contrôle. Oui. Pas comme le président qui tisse 5 qui bon monde, qui bon Dieu, qui vous délivre le pays. Non. Quel dirait les jeunes, l'Aristide Maté, ou bien mon capable venir. Non, non. Ils peuvent être anges, ils peuvent être démons à n'importe quel moment. Mais bon, structure, le mettez du contrôle. Pour qui fait. Et dans tout côté, ce n'est pas dans l'État seulement. C'est peut-être ça qu'il y a une association au niveau barreau pour imposer au minimum d'éthique et de déontologie. C'est peut-être ça tout à supposer gagner dans quoi média. Donc il faut que je vois. Si par exemple, un média, il y
C'est pas seulement les font attaque sur un journaliste. Si on fait attaque sur un journaliste, on dénonce et que des fois on va dénoncer tout. Mais ce que je vous dis, si un journaliste a fait travail, parle. Et que vous faites attaque sur vous, les journalistes ont contenté chaque jour la fait instigation à la violence. Et puis, comme il dit, va dire rien. Mais j'ai le principe, on va le côté. Si on perd, on va prendre tout le monde. Si on perd, chita, je dis, n'est-ce pas plus incapable qui pas capable de rien. Parce qu'elle fait le cadeau d'elle, quand il dit tout le monde, c'est ni pour le voter. À qui côté nous parler là? Alors que le gars qui l'écoute. C'est ça la question. On ne peut pas rien parler de problème. Mais système là, au niveau de l'église, il faut que cela change. Même l'église qui est dans la rue, il faut que cela change. L'église, c'est un gros monde qui a conscience. Est-ce que vous regardez sous compétence, sous honnêteté, pour dire que vous votez tel monde? Est-ce que ce n'est pas sous monde qui va aider le quoi ou bien qui va faire voter tout? Bon monde qui va aider une belle offrande. Mais c'est une vraie question, système dans ça. Vous ne parlez pas de la coopération. La misère, pas pour de bon. Mais c'est justement la misère. Le monde qui est plus capable de contribuer à améliorer la misère, là, c'est que ça vient. Fidèle, il n'est pas capable de voter rien, il perd, il est ramassé ou bien il passe, il est ramassé, il n'est pas ramassé, il est obligé de checker l'autorité qui est sous pouvoir. Que le bon, que le pas bon, que le défendre zone, que le pas défendre zone. Il est bon parce que l'aider l'église là, non, d'un coup, non, bagarre quelconque. Sur cette situation donc, ça veut dire que le sénateur. Le véritable problème, là, c'est la question de, de l'économie. Le problème est plus profond. Le problème est plus profond, c'est une question économique. Nous ne pas jamais aborder le sous-en ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'économie nationale? Et c'est là mon désaccord avec le président Jovenel. Je suis d'accord que, par exemple, en tant que président, c'est droit pour garder est-ce que droit l'État pas léser dans l'affaire contre l'eau. Mais en même temps, tout, président, on a un programme qui était très bon, qui c'est question agriculture. Je pense que nous avons un problème stratégique ça avec le président. Plutôt le président, on a un ça net. Président, et là, on parle en barrière, on parle en contraste. L'on parle en diaspora. Courant. Moi, même pas dire ça. Non. C'est pas parce que je n'ai pas besoin de courant, je n'ai pas besoin de route. Non. Je connais la réalité terrain. Moi, ça n'a pas de travail. Là, au grand bout, il n'y a pas de temps de courant, il n'y a pas de temps de route. Mais tout le diaspora, il connaît que pas de pays qui développer sans courant, sans route. Ou être une opinion différente. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que quelque part, il faut une connaissance du milieu politique haïtien. Et lorsque nous sommes en situation de vulnérabilité, ça, n'importe politicien qui arrive dans la tête, sous prétexte que l'a changé le système, et pourtant, c'est qu'il y a un poste. Pour le traverser dans l'autre camp. Bon, écoutez, diaspora a un problème, pas parlementaire a un problème, pas monde qui dans l'État a un problème, pas finalement, c'est qu'on a inventé, au fond, invention, on a inventé, créé. Les élites du pays, les élites du pays. Nous ne pouvons pas réunir tout le monde, les élites du pays. Et quand on parle de l'État général, sectoriel de la nation, si ce concept existe encore, c'est pas un bagage lié. Relé la presse, ça n'a pas dit là, on la presse, on dit des groupes, pas de nous seul monde. Plus jamais, mais ça nous va le mettre dans la déontologie, la presse, nous ne pouvons pas quitter la presse à fonctionner comme ça encore. Nous ne pouvons pas quitter l'église, nous ne pouvons pas quitter l'église à fonctionner comme ça encore. Au niveau de l'école, nous ne pouvons pas continuer à nous faire des bagages qui ne peuvent pas être en rien véritablement, puis à acheter des bagages qui expirent, pas même garder si l'expirent, nous pouvons manger là-bas. Dans combien de temps ça a changé, sénateur? 50 ans? Vous nous demandez si nous avons un cristal ou un bol. Non, pas de ça. C'est pour si nous avons un cristal. Dans 15 ans, nous avons un cristal. Réalité payante. Dans 15 ans. Vous avez un cristal. Vous risquez pas de résultats sur le Parlement. Dans 15 ans, nous avons commencé à faire pas si nous expérimentons votre obligatoire. Je dis. Côté que je dis, on ne peut pas voter ou pas signer un contrat avec l'État. Ou pas qu'à travailler avec l'État, ou pas qu'à faire rien avec l'État. Oui, mais il y a mon cap du monde. Et là, ça. Mais il y a mon cap du monde, je ne vais pas jamais travailler avec l'État. Il y a tous les jeunes papas et mamans. Il y a mon père qui est travail. Il y a toujours travail de l'autre côté. Mais surtout, pas qu'à travailler dans l'État. Parce que ça n'a pas intéressé. Tout ça n'a pas intéressé. Il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais il n'y a pas qu'à l'autre bagage. L'État a besoin quand même pour forcer. Bon côté, il y a forcé de voter quand même. Vous comprenez pour qui ça? Oui, à chaque fois. On ne peut pas toujours entendre ça. Oh, le président parle, il dit non, derrière ces 400 000 voix seulement le fait. C'est 500 000 voix qui fait. Soit regarder sous 12 millions de montants pour être d'accord. Mais on pose un problème de légitimité. Mais la démocratie, l'égalité n'a pas posé. Eh bien, d'accord. Mais combien de monde va voter? On nous fait plus de monde voter pour renforcer la légitimité élue. Oui, mais il faut qu'on fasse élection tout. Et de bonnes élections, non? Pour nous faire de bonnes élections, il faut que nous retirions le système électoral qui est trop sophistiqué. Ça. Il y a trop de bagarre là-dedans. Mais il dit qu'au contraire, il n'est pas sophistiqué du tout. Il n'est pas sophistiqué, il facilite pour fraude. Oh, qui est-ce que tu dis? Système électoral, ça, pour candidat, il n'y a pas deux pièces.
l'on finit. Elle dit, j'ai encore raconté ce truc. Mais n'empêche que gagne quand même. Il y a un paquet de délais. N'empêche que gagne quand même. Parce que il n'y a pas respecté l'élection en tout cas. Et pour dire ça au niveau du Parlement, pas jamais entendu nous font plaidoyer, par exemple, pour le vote électronique qui t'a garanti. Dans un certain sens. Mais non, amendement constitution, il est clair que son bagage nous a mis. C'est ça comme j'ai le fait. Non, mais amendement pas même qu'a fait. Même Gado est 2e septembre passé, là, c'est dans la crise que nous avons. Et moi, député Djerry Tadjo qui a dit enfin, finalement, on lui allait, il n'y a pas qu'à en faire rien, mais il a consolé sur le livre que tu écrit. Député. Et à partir de ce moment, nous n'avons jamais eu de possibilité. Le problème n'est pas posé comme ça dans le Parlement. Le problème, c'est qui est-ce qu'il y a Premier ministre, qui est-ce qu'il y a président, qui est-ce qu'il y a sénateur. Question bagage, ils ne sont pas intéressés. Député, on continue de toucher. En principe, de toucher, par contre, côté dit qu'on continue de toucher. Oui. Jusqu'au deuxième lundi de janvier. Ok. Est-ce que c'est vrai que le président aura une marge de manœuvre à partir du deuxième lundi de janvier? Ça peut être très dangereux, je crois, que le président doit réfléchir beaucoup avec cette marge de manœuvre. Et il pensait que le président doit avoir un pouvoir de contrôle. Et ce caprété de Sénat, pas capable de faire ça. On a eu cette expérience déjà avec Richer, vous ressentez ça. Et il y a eu un pouvoir que pas capable bien parce que pas capable renvoyer au gouvernement. Et à partir de ce moment, il faut quand même qu'il y ait un gouvernement de consensus. Et à ce moment-là, si le président pense que le cas a formé gouvernement, peut-être pas, à part une stabilité encore. Il faut un gouvernement qui intègre d'autres partis politiques, d'autres acteurs politiques là-dedans. Mais donc là, il est obligé à jouer une opposition. Il est obligé à jouer une opposition en tout, et l'opposition n'est pas qu'à forcer tout. Et l'opposition en tout supposé accepter. Parce que ce qu'il faut faire, c'est le renverser. Pendant deux mois, on n'a pas pu réussir. Mais on a renversé la vie des citoyens. En plus, on nourrit, en plus, on grand goût, en plus, on fait du travail. Donc je dis à quelqu'un qui a souvent là qui va travailler encore. Parce que vous voulez aller, parce que vous n'avez pas qu'à gagner. Donc je dis à me penser que ça n'a pas de résultat. On va gagner l'autre bagaille pour nous faire. C'est pas. D'ailleurs, c'est finalement, ce n'est pas la solution que je propose qui est importante, nous il donne. Si ce que je dis n'est pas fait, qu'est-ce qui sera fait? C'est blanc qui va le vivre encore. Nous avons une situation d'insécurité totale côté des bandits qui prennent des zones bagailles. C'est des actes d'agression, des attaques qui sont capables de faire appel au droit international humanitaire, côté que OEA ou bien Nations Unies sont capables de venir. Parce que vous constituez une menace pour la paix et la sécurité internationale. Et à partir de ce moment, avec qualité de vous, Zamzao, ça ne veut pas dire qui contrôle vous. Avec des pratiques, soit que le cocktail Molotov, boule bagaille, c'est des actes terroristes que vous avez. Et à partir de ce moment, par contre, qu'un côté international qui tape d'accord avec qui en pratique comme ça, vous avez le pouvoir. Donc je veux dire, nous n'avons pas besoin que c'est venu en nous entendre, nous, effectivement. Parce que le président doit accepter avec humilité galant. D'ailleurs, moi, elle fait discours, il reconnaît. D'ailleurs, non. Mais ce n'est pas ça seulement, non, pour le président reconnaître. Le président reconnaît que il touche de ses courants avec ça trop tard par rapport à abus, à déficit. Et si je dis à la population, à connaît qui quantité corbe que la population a payé. Mais on a toujours eu des parlementaires. Pourquoi ces parlementaires ne sont pas intéressés à ce dossier? Est-ce que c'est Monti qui a fait ce contrat? Est-ce que le contrat est bien passé? Pourquoi nos parlementaires qui ont demandé au peuple à mobiliser consistamment, pas de soulever contre le contrat ça? Pour qui ça? Et je veux dire, c'est pas ça seulement. Faut on va répondre comme on pose aux questions. Chaque monde, chaque rivière vient à gravio, c'est pas bagaille peuple qui a pris vraiment vrai. Chaque monde, début c'est monde parle, les bon, tout ça le fait bon. Début c'est monde, début pas pour monde, tout ça le fait pas bon. Début pour monde, tout ça le fait bon, les jeunes parlent. Donc c'est pas, il va payer. C'est pas bagaille pays qui a pris vrai, véritablement. Je veux dire, c'est pour le président Jovenel tout, d'accord que, quelquefois, mais il s'était trompé en croyant qu'il pouvait développer ce pays dans 5 ans. C'est ce que j'avais dit. On n'est pas capable. On ne peut pas garder l'état économique qui est là. Pourquoi on a fait toute qualité? Oui, on a mis sur les rails. Il y a des mesures qu'on a prises, de redressement, par exemple. C'est que les mesures qu'il est en train de prendre actuellement, depuis le Vini, il était supposé, c'est ça, pour le lancer au commencement. Et je dis, il n'y a pas bien tout ça, je dis. Et moi, j'étais toujours plus acide avec lui. Mais j'ai toujours gardé mon excusez la population. Moi, je peux accepter ça comme grand quand même, bien que c'est très tard. Ouais. Mais c'est ça que le début fait dès le départ. Pourquoi c'est des excuses à tout? Mais c'est vérité. Parce que j'avais dit, c'est moi-même dans le Sénat qui proposais, monsieur, lorsque le ministre Lafontaine a peine dans le pouvoir, le président Abdi l'a pas le fait. Le président, quoi qu'il est capable de faire? Vous songez, nous avons fait séance, on dit pour venir expliquer l'état des finances publiques. Parce que quand nous venons l'argent, parce que nous n'avons pas produit rien véritablement. Donc je dis, et puis bon, le pratique, tout question, tout, comme si. Gardez pour vous, toi qui as poste,
qui est APN, on a tout ça qui a rapport avec l'argent directement. Et puis, entendu, on a interdit. Ça, non, Wendel. Ça, ça veut dire. On fait au premier de job dans la rue. Non, mais c'est vrai. On nous l'a dit ça. Non, mais oui, Mano. On nous l'a dit ça. On nous l'a dit. Non. Faut, si le système doit changer, question sénateur, c'est lui qui met dans APN, dans AAN, dans OUD, dans ce système, ça doit finir. Pour nous, ça, c'est ce côté qui a géré la rue, seulement tout le monde demande. Allez. Parce que le sénateur a bien compris fonctionner, il faut le carré élu. Et c'est le système qui peut changer, là, il n'a pas le même système. Non. Puis dans le monde pour un parti, il n'y a pas pour un autre parti. Même dans les bords, ça n'a pas le parlementaire tout. Changement de système. Non. Eh bien, nous, nous sommes un gros parti dans le système. Non. C'est très bien que tout le monde, à cette phase, côté nous, il prend conscience, eh bien, on a initié parler qui est fait là, mais malheureusement, je vous dis, à ma côté nouvelle, je vous dis, moi, je pense que là, il y a un Jean Calme dans certains propos. Moi, il y a une préparation qui est toujours faite, soit pour mettre le gouvernement, comprendre. Alors que moi-même, je crois que j'ai. Non, mais pour aller tout. C'est pas ça, non? Qui est-ce qui a voulu m'en dire? Non. Dans le système, non. Non, transition, ça. Non, mais je ne sais pas. Je ne peux pas faire une bataille pour m'aller, je ne peux pas. D'ailleurs, moi, je ne peux pas me sentir confortable. Parce que on considère que nous sommes échoués. On est déçus. On frustré. On frustré, cap vivre avec un peu de stress. Parce que je crois que moi-même, je suis capable de porter. Et la maladie me fait aller, je me stress là-dedans. Je ne suis pas stressé parce que je ne suis pas capable de croire. Je ne suis pas capable de développer. Je pense que je suis capable. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas le président seulement qui fait. C'est ouais. Faux. Comme si. Ou tu crois que Gimbal n'a pas changé. La justice a un problème. Le Parlement a un problème. La presse a un problème, l'église a un problème, c'est tout côté qui a un problème. Mais regardez, c'est pays à l'époque, t'as changé. Pays a un problème, c'est mais malheureusement, c'est pas système. Il y a un monde, c'est côté qui a pris une décision à l'État, il y a besoin seulement, véritablement, et puis côté social, le côté économique, qui n'est pas intéressé. Je veux dire, à 2000, ça qui intéresse, ça qui empêche l'opposition, c'est bon, mon coup de main, de mettre pression sur le président pour le café de consacrement, peut-être d'en bénéficier d'arriver au mol. Parce que tu vas critiquer pour l'homme. Au CPHTK, comment t'as l'opposition et d'où là c'est pas... Oh, ça n'a pas de sens. Opposition, sénateur ou sénateur de la République, vous êtes là pour tout le monde. Oui, mais c'est. Il n'y a pas qu'à aider ça, mais qu'à aider le gouvernement. Bon, écoutez. Il n'y a pas qu'à aider le gouvernement. Il n'y a pas qu'à aider le gouvernement. Le gouvernement pour m'aider. On finit dans le sénateur. On finit avec un peu de merci. Moi-même, gros, il est pour poser des questions. Ou dit à l'heure que tout sénateur est fait mieux. Pas dit tout sénateur. Et bon, en plus, sénateur qui est parlementaire, qui est fait mieux, ou bien rechercher le film par eux, et faire affaire ensemble avec eux, travailler à faire parfait de gens pour faire véritablement. Ou pas gagner un du tout, mais ou pas gagner un film par eux. C'est un décontre avec qui n'a pas fait Jean-Abel. Je le dis maintenant pour les gens de Jean-Abel qui écoutent. Film qui t'a fait là, je n'ai jamais vu le chèque. Au contraire, c'est mon dépenser l'argent, mon bagaille, les mobilisations, c'est mon dépenser l'argent, mon calé. Je n'ai jamais vu le chèque. Je dis, ah ben je peux parler. On va pour ton projet, ou bien 10% là-dedans. Ça veut dire que 10 millions de gouttes, de 20 millions de gouttes. Nous campons là devant tout le monde, film. Je ne vais pas prendre un goutte. Je dis, fais le plus loin que possible. Je vais pas prendre un chèque là, je vais prendre un sujet. Et là, c'est mon dépenser l'argent là-dedans. Et bon travail capable de faire là tout, je ne sais pas combien de minutes. À partir du critique que je fais, je vais toujours aller chercher si nous avons conseillé un exécutif pour un film qui reconnaît, pas pour un petit film qui n'a pas fait le travail là. Pour un monde qui a expertise, pour un monde qui a comptabilité, pour un monde qui a. Non, alors, question en ligne, c'est pas le fait que vous avez dit que pile parlementaire qui a fait le film. Donc, vous avez dit que vous est-ce que vous avez dit pas ou pas vous avez dit film? Non, je pas un film. Bon, vous avez dit que 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 vous avez merci de disponibilité pour Métropole. Et il y a des gens qui croient dans la parole positive, il y a des gens qui croient dans le discours rassembleur, il y a des gens qui croient tout dans le développement, il y a des gens qui croient que le pays est incapable de changer, mais pas qu'à fait dans la condition que il y a là. Le système pas qu'à changer, le pays pas qu'à changer, à venir dans petit nous capable d'hypothéquer si nous pas véritablement penser à Haïti. Merci encore une fois, sénateur. Ma fini pour nous lancer un appel au bureau du Sénat et aux collègues sénateurs. Pour que le Sénat a commencé à fonctionner, ne pas aborder le dossier ça, mais il a dit mon dernier rapport pour des comptes qui sont sortis, j'estime que c'est pas vrai. Non. Et
c'est de manipulation. Alors, selon expérience, selon information, pas que nous avons, son ancien rapport, il est réactivé. Réactivé véritablement. Donc, nous croyons que le Sénat a demandé le président du bureau avec tous les membres du bureau pour recommencer à fonctionner normalement. Pendant que nous avons fait appel à toutes les forces vives de la nation, les membres du secteur privé, le pouvoir en place, pour que nous mettions tête ensemble pour nous garder dans les 2 ans et demi sans capable à qui ça nous capable de faire pour nous éviter souffrance. Population ça qui explique que nous pas capable encore. Donc nous pour un gouvernement de consensus, il faut que cela soit vrai dans les meilleurs délais. Bon, on dit toi qui dit que si ça intéresse la banque avec plateforme avec proposition qui est capable d'aller dans le sens discours contenu là matin. Ça me fait énormément plaisir. Je pense que je suis en contact avec lui. D'ailleurs, c'est très intéressant que mandant capable de dialoguer avec mandataire là pour capable de travailler démocratique.